d'action en continu qui rendent compte de l'émotion légitime de la population frappée par les terroristes, mais qui zappent complètement la réflexion sur les conséquences politiques des attentats. Face à nous, enfin, il y a les réactionnaires de tout poil qui se frottent déjà les mains en entretenant des amalgames honteux entre les migrants-migrantes, musulmans et musulmanes et terroristes. Voilà pour le côté déprimant. Mais on ne peut bien sûr pas s'en tenir là. Notre tâche, c'est de répondre aux préoccupations de nos collègues, de nos amis, de notre famille, de toutes celles et tous ceux qui ont parfois une idée très floue de ce que ça veut dire impérialisme et qui ont une vision très partielle de ce qu'implique l'état d'urgence. L'enjeu, maintenant, c'est d'ouvrir une brèche dans le consensus national qui nous est tombé dessus comme une chape de plomb. Nous n'avons pas de solution miracle, mais nous pensons qu'il faut aller dans deux directions. Il faut tout d'abord aller sur le terrain de la bataille des idées, en creusant les questions que n'importe qui peut se poser et en tâchant d'apporter des réponses simples, mais pas simplistes. Première question brûlante. Est-ce qu'il faut intervenir militairement ? Pour y répondre, ce n'est pas nécessaire de convoquer le bréviaire anti-impérialiste, il suffit de rappeler quelques évidences. Une coalition internationale est intervenue en Afghanistan en 2001. Est-ce que la situation est réglée ? Les États-Unis et leurs alliés les plus proches sont intervenus en Irak à partir de 2003. Est-ce que la situation est réglée aujourd'hui ? Une nouvelle coalition internationale veut à présent noyer la Syrie sous les bombes. Est-ce que cela va régler le problème ? Il y a des raisons d'en douter. D'autant que la France, et ça a déjà été dit, est bien hypocrite quand elle prétend mener une guerre au terrorisme, mais qu'elle continue de faire des courbettes au Qatar ou à l'Arabie Saoudite, qui financent en sous-main le djihadisme pour maintenir leur influence dans la région. Alors la question se pose maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre Daesh sur le terrain ? Ce qu'il faut répéter, c'est que pilonner la Syrie peut peut-être mettre un frein temporaire à la progression de l'État islamique, mais que ça n'apporte aucune solution à long terme, aucune. En Syrie comme en Irak, ce que nous devons dire, c'est que la meilleure riposte, c'est de soutenir les forces progressistes qui luttent en première ligne face à Daesh. Parmi ces forces progressistes, on trouve les milices du Kurdistan syrien, les unités de protection, les YPG, qui non seulement ont infligé des défaites militaires à l'État islamique, à Kobané, à Talabia, à Sinjar, mais qui en plus, et ça a été dit, défendent une alternative politique avec un projet de société démocratique, féministe, écologiste, autogestionnaire. Deuxième question. Comment faire en France pour enrayer le développement du djihadisme ? La solution défendue par le gouvernement, c'est la prolongation et le renforcement de l'état d'urgence, avec des assignations à résidence facilitées et parallèlement des mesures directement puisées dans le programme de l'extrême droite. Autoriser les policiers à garder leurs armes en dehors de l'entente de service. Mettre en place une présomption de légitime défense pour la police, c'est-à-dire reconnaître, sans se poser de questions, que la police frappe toujours pour se défendre. Instaurer une déchéance de nationalité pour les binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme, faisant ainsi croire qu'il y a comme un lien direct et naturel entre l'immigration et le terrorisme. Face à tout cela, il faut rappeler que les mesures sécuritaires sont très efficaces pour réduire les libertés publiques, mais qu'elles sont beaucoup moins efficaces pour résoudre le problème du terrorisme. On connaît d'avance les boucs émissaires de ce climat sécuritaire. Toutes celles et tous ceux qui ont le malheur de ne pas avoir la bonne couleur de peau, qui ont le malheur de ne pas avoir de papier, ou qui ont le malheur de ne pas habiter dans les bons quartiers. La solution, ce n'est pas donc simplement le repli sur soi et l'état d'exception permanent. La solution, c'est plus de solidarité. La solution, c'est plus de justice sociale. L'enjeu, c'est de soigner les causes du malaise social, pas simplement de se focaliser sur les symptômes apparents. Ce qui nous amène à la deuxième question, deuxième direction dans laquelle nous devons aller. En même temps que la bataille des idées, que nous devons mener auprès de nos amis, de nos collègues, sur nos lieux de travail, dans la rue, dans les quartiers, il faut pousser vers plus de solidarité et plus d'organisation à la base. Les attentats ont suscité beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de colère et beaucoup de révolte. Pour que cette révolte ne soit pas instrumentalisée par des discours va-t-en-guerre, militaristes, nous devons proposer des perspectives d'action collective et de lutte pour changer la société. Nous devons nous coordonner pour proposer d'autres expériences collectives, pour renforcer les solidarités de quartier, le tissu associatif local, les structures syndicales locales. Du côté des organisations de masse dans lesquelles nous nous retrouvons, il faut par ailleurs pousser d'eux-mêmes pour maintenir les grèves, maintenir les rassemblements, bref, maintenir le calendrier du mouvement social en toute autonomie du mouvement politique. Il ne faut pas subir l'état d'urgence. Il faut maintenir le calendrier revendicatif.
À ce titre, nous pensons qu'il faut exprimer toute notre solidarité avec les 58 manifestants et manifestantes dont la police a transmis l'identité au parquet suite au rassemblement de solidarité avec les migrants. Et de même, pendant la COP21, nous pousserons également à ce que la contestation puisse s'exprimer. Il n'y a pas de raison de garder nos revendications dans notre poche. Ce ne sont pas les mesures liberticides qui étoufferont notre soif de lutte et de justice sociale.